Salut à tous, ici Morgan James, casse qui gré, directement de ma chaîne YouTube ou tout simplement JoyJoyStation 911, directement de mon PlayStation Network. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo test. Et la vidéo test d'aujourd'hui, ça sera une vidéo sur le jeu vidéo Star Trek que je n'ai pas encore commencé. Je l'ai acheté hier sur le PSN, donc en fait, le jeu. En magasin, il est encore à 50 euros, entre 50 et 60 euros. Et hier, sur le store, sur le PlayStation Store, je l'ai vu pour 20 euros. Donc, je l'ai pris. Parce que, c'est pas que je suis fan de Star Trek, hein, mais c'est que j'ai bien adoré les nouveaux films. Enfin, surtout le premier, parce que le deuxième, je ne l'ai pas encore vu. Et comme cette semaine, donc mercredi. Le deuxième opus sort en DVD et Blu-ray, j'en profite également pour faire une vidéo test sur le jeu. Je n'ai jamais joué, donc j'ai à apprendre à jouer à ce jeu devant vous. Donc c'est un jeu basé sur les reboots de la saga Star Trek. Hein. En fait, le jeu se situe entre le premier opus et le deuxième opus, donc Star Trek et Star Trek Into Darkness. Apparemment, d'après les critiques que j'ai vues, d'après les critiques, le jeu serait vraiment très très bien fait. Donc déjà, la présentation elle est vraiment classe. La bonne musique du thème, le thème principal du film, avec Star Trek simplement, qui appuie sur Star. Donc ça s'annonce déjà assez génial. Apparemment. D'après ce que j'ai entendu, les personnages du jeu ressemblent fortement aux acteurs du film. Donc ça rajoute encore un petit plus au jeu. On va commencer le jeu ensemble. Parce que je ne l'ai pas encore commencé. Hein. Je viens de finir de l'installer que maintenant en fait. Le premier opus, enfin le premier film du reboot, franchement j'avais vraiment bien kiffé. Moi qui étais fan de Star Trek quand j'étais gosse. J'avais laissé un petit peu Star Trek de côté, puis quand j'ai su qu'ils allaient refaire un reboot, j'étais un peu blasé. En fait, quand j'ai vu le premier film, franchement, j'ai vraiment bien adoré. Et le deuxième opus qui était sorti en début d'année, puis j'ai pas encore eu le temps de le, j'ai pas eu, bah, j'ai pas encore eu le temps d'aller le voir au cinéma. Et j'ai même pas pensé à le télécharger, j'achèterai directement en Blu-ray. C'est vraiment une édition Steelbook. Et comme hier, bêtement, je vais sur le store et je vois le jeu pour 20 euros, et que je regarde sur internet à peu près le prix en magasin, et que je vois que c'est un peu encore entre 45, bon, je veux dire entre 45 et 60 euros, et là pour 20 euros, je l'ai en version dématérialisée, autant en profiter. Donc je l'ai pris. Donc voyons voir un peu les trophées. Donc ça, c'est les trophées cachés, à mon avis, c'est les trophées liés à l'histoire. Ok, en difficile. Et après, c'est tuer entre 50 et 100 personnages avec chacune des armes, à mon avis. Ok, donc les trophées, ok, c'est bidon. Alors, voici le menu principal qui se comporte de nouvelles parties, chapitres, un mode multijoueur parce que le jeu, vous pouvez jouer en coopération. Donc, soit vous incarnez Spock. Sauf vous incarnez Capitaine Kirk. Les options. Donc les options, on va regarder un peu qu'est-ce qu'on pourrait modifier. Tutoriel activé. Difficulté. On va être en difficile. Hein. Type de partie. On va mettre hors ligne, type de partie. Comme c'est la personne qui va venir me rejoindre. Ok. En espérant que, comme les personnages ressemblent aux acteurs, en espérant qu'ils ont la même voix que dans le film. Et c'est parti, on va faire une nouvelle partie. Et on va mettre en difficile parce qu'il y a. Il y a un trophée en mode difficile, donc on va faire. Et on va prendre. Oh là 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 là. Ah, je sais pas quelle prendre parce que j'aime bien Spock, mais je préfère quand même Capitaine Kirk,
qui est vraiment vraiment classe, l'acteur. Franchement, je le kiffe, cet acteur. Il joue vraiment bien. Il a peut-être carrière et tout. Franchement, on met en ligne. Et c'est parti. On va buter du je sais pas quoi. Ah, il est pas en français par contre. Il n'est pas en français et il n'y a pas de sous-titres. Il n'y a pas de sous-titres. Ça me paraît bizarre. Hein. Voilà, sous-titres activés. Tac. C'est bizarre. Il n'est pas en français en fait. Les voix sont en version VO, donc la version originale. Donc on va mettre les sous-titres. En espérant qu'ils sont en français. Alors, ok, là c'est pour tirer. Enfin, de me faire dégommer, je sais pas par qui. Ah, là ici. Donc, attendez, je m'occupe un peu des mecs là ici. J'ai pas compris ce qui vient de se passer là. Je me suis fait buter par. Ah non, c'est bon. J'ai cru que je m'étais fait buter, mais non. Donc bien sûr là je suis tout seul mais vous pouvez jouer aussi en coopération où un joueur fait Capitaine Kirk et l'autre fait Spock. Franchement il ressemble vraiment bien à l'acteur. Tu veux battre? Donc je sais plus si j'avais dit mais le jeu se situe entre les deux films. Hein. Entre le premier et le 2. Ok, ils se sont battus. En fait, ça doit être sûrement la fin du jeu, à mon avis. C'était un petit prologue. Leur échiquier est une malade, quoi. En plusieurs étages. Je sais pas comment ils font pour jouer. On va passer comme une cinématique pour la vidéo. Tout, tout, tout. Alors. Salut, baby. Tu as des belles oreilles en pointe. Oh là là, oh là là, oh. Salut, mon frère jumeau. Oh là là. Oh putain, pour un jeu 2013, putain, les bugs comme ça existent encore, putain. Donc on peut se balader dans le vaisseau, ça c'est good. Attends, viens ici. Bonjour. Ah putain. Oh là là. Bien sûr, avec lui on peut pas le faire. Donc, c'est quoi ça? Le tricorder en maintenait pour équiper. Ok, en fait ça sert à regarder un peu votre route. Route. Ah, il y a la femme en verte là. Ils ont même couché ensemble là, dans le premier film. Salut à tous. Ah, elle aussi, elle est là, Aurora. En fait, il y a tout l'équipage, en fait, comme dans le film. Ils ressemblent vraiment bien aux acteurs que comme dans le film, quoi. C'est vraiment bien foutu. Mais le petit bug que vous pouvez aller dans l'autre personnage, ça le fait pas. Franchement, le petit bug là, ça le fait pas. Pour un jeu 2013, ça se fait pas. Alors que graphiquement, franchement, il est vraiment pas mal. Hein. Ça se fait pas, ça. Il y a toujours le petit côté. Tension, mais également côté humour, un peu comme dans le film. C'est marrant. Bah ouais, c'est parti. On va passer un petit peu parce que là. Alors, on va prendre l'ascenseur.
Pourquoi je suis descendu? Est-ce qu'il fallait aller ici? Je ne pense pas. Hein. Ah si, embarqué au bord de la navette. Ouais, c'est bon. Parce que le truc était en l'air, donc je pensais pas que c'était ici. C'est bon. Ok, donc à mon avis, faut passer par ici, à mon avis. Et on va aller je sais pas où. Ah, et cool, ils ont mis leur combinaison spatiale. Donc ça, c'est bien, ça, c'est vraiment bien foutu qu'on peut se balader dans le vaisseau, dans l'Enterprise. Ils ont gardé aussi les petits effets éclairage là, comme dans les films, franchement c'est classe. Franchement, si vous êtes sur PS3 et que vous avez de l'argent sur votre compte PSN, franchement achetez-le parce que franchement il est vraiment bien foutu quand même. Pour 20 € en plus, alors qu'en magasin il y a encore à 50 € et sur Internet vous pouvez le trouver facilement entre 45 et 60 €. Là pour 20 €, franchement. En plus, il prend pas énormément de place, hein. Il prend que 3 gigas. Donc, c'est pas énorme. Et les trophées sont assez faciles. Hein. Moi, j'ai plutôt galéré à jouer parce que, comme j'ai mis en difficile et que je connais pas le jeu, j'ai un peu galéré à jouer, je pense. Okay, ça commence à me péter à la gueule dès le début. Je crois que j'ai arrêté de raconter de la merde, j'ai eu plutôt de me concentrer parce que là. Ok, là c'est le truc pour enlever les contaminations, un truc comme ça, je crois. Allez! Oh putain, il y a beaucoup d'explosions là, hein. Ça fait que péter pour le moment. C'est quoi ce bordel? Par où il faut passer? Par là? Non. Franchir. Ok. Tac. Ok, donc c'est par là. C'est par ici. Ah, ça j'aime pas ça. Ça j'aime pas quand vous avez des jeux à la troisième personne et que quand vous rentrez dans un conduit, vous voyez à la première personne, ça je déteste. Franchement, c'est mal fait. Je sais pas si je suis le seul, mais si vous faites un jeu à la troisième personne, continuez à faire à la troisième personne, ne faites pas en format FPS après. Et j'ai pas de pistolet, j'ai rien. Ok, on peut diriger le mec, ok, d'accord. D'accord. Mieux renouvelle. Donc là, il n'y a rien à faire. Tu me suis, bébé, ou quoi? Quelle force! Pourquoi tu retournes là-bas? Viens! Mais. Pourquoi il retourne de l'autre côté, l'autre? Ça commence déjà bien. Hein. Donc lui est en train de crever, il est en train de s'étouffer. Je crois qu'il a mangé une cacahuète et il est en train de s'étouffer. Ok. Il faut ouvrir la porte. Viens avec moi. Viens avec moi. Putain. Pourquoi il n'y a pas avec moi, lui? Bon, il est où le mangeur de cacahuètes? Ah, il est là, ici. T'es bon? T'as tenu t'étouffer? Ok, en fait, vous pouvez scanner des trucs avec. D'accord. Avec ça, vous pouvez scanner des trucs. Le mec est parti par là, je crois. Bah, c'est d'où je passe en fait. Ok.
Si j'appuie pas sur le bouton, la porte elle va pas s'ouvrir. Hein. Bon, je crois qu'il s'occupe hein, de la porte, je pense. C'est bon? Ok, good. Ouais, franchement, il est bien. Il est un peu dur avec les commandes au début parce que c'est vraiment différent, mais c'est différent des autres jeux. Et franchement, il est vraiment pas mal. Et ouais, c'est nickel. Ok, monte, monte, monte. Dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Vite! Ok, mais il faut que je passe par où? Ah, par là. On espère que je vais pas me faire toucher. Non. Non, non. Comment on fait pour l'arrêter, ça? Désactiver. Et voilà. Et... Faut passer par là. Et pourquoi il reste accroché sur la corniche lui? Il aurait pu monter le jeu de l'autre côté, mais non, il reste sur la corniche. Ok, d'accord. Hop. Ah, franchement, le jeu il est vraiment bien, franchement. Je suis vraiment pas déçu d'avoir d'avoir claqué 20 boules dedans. Bon, c'est vrai que j'aurais peut-être pas dépensé 60 euros dedans et pour le prix, je dirais quand même, il vaut quand même 40 euros quand même. Hein. Franchement, si vous êtes fan, hein, bien sûr, si vous êtes fan, franchement. Il faut avoir ce jeu-là, même si vous n'êtes pas fan, franchement. Franchement, c'est quand même un bon jeu d'action, quand même. Et même si vous n'êtes pas fan, les films, vous pouvez les regarder sans être fan, en fait. Hein. Parce que franchement, ils sont quand même assez bien foutus. Il y a un bon film d'action. Ok, passons le blabla. Par contre, ça on peut pas passer, donc ben voilà. Un petit bémol, c'est franchement. Il n'y a pas les voix en français, franchement, c'est dommage quand même. Ça aurait fait un petit plus au jeu. Mais bon, à mon avis, comme c'est en VO, ça va être les vraies voix des acteurs, à mon avis. Ah, c'est bon, j'ai mon pistolet. Pew, pew, pew. Je tire dans la tête, mais le tchèque passe à travers, quoi. Où tu vas? Il y a lui, non? Lui, ça passe pas à travers. Ok, allez, c'est parti. On va aller tuer du martien. Nous sommes les Men in Black. Déjà? Putain, ils vont vite leur ascenseur, putain. T'as juste appuyé sur le bouton, t'es déjà à l'étage, quoi. Lui a tiré sur quoi, lui? Ok. Allez, viens. Et là, un temps de chargement. Encore. Ok, donc là, on a le casque. Donc, on va sûrement faire une petite virée dans l'espace. Putain.
Ah merde, 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 non, non. Pardon. Vite, 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 vite. Ouf. Là, il faut passer par où là? Ok. Putain, putain, protège-toi. Allez, cours, baby, cours. Protège-toi, protège-toi, protège-toi. Ah putain, en fait, on est pris du soleil en fait. Putain, c'est chaud quand même. Enfin, je parle pas du jeu, mais je parle dans une situation comme ça en vrai. Putain, ça doit être chaud quand même. Allez, je suis un fou, on sprint comme un malade. Allez, viens. Oh le bug, vous avez vu ça? Il met ses mains dans la porte, mais il prend pas où il y a l'ouverture. Oh putain. Sympa les petits bugs. Ok, donc il faut aller traverser tout ça. Et aller au panneau vert. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Peut-être les trucs qui tournent et puis en fait il faudra que je marche dessus, je pense. Que je tire sur un truc là, mais sur quoi? What? Voilà. Tac. Okay. Ah ouais, ok, d'accord. En fait, on tire sur le panneau comme ça s'arrête le. Bah, tout le circulaire là, puis ok. Ok, d'accord. Je sais même pas si c'est bien par ici qu'il faut. C'est ce côté-là. Ok, le truc qui est carrément bas quoi. Okay. Pourquoi pas, hein? Et là, normalement, là, je peux passer normalement ici. Si je me trompe pas. Oh putain, 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 putain. Merde, protège-toi. Il faut que je passe. Oh putain, c'est carrément bas, putain. J'ai vu quelqu'un courir à côté de moi, là, je sais pas si c'était qui. Vite, 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 vite. Protège-toi, putain. Ah putain, j'ai crevé là. Plus beaucoup de vie. En fait, je sais même pas où aller la barre de vie. Ah putain, ah si, voilà, elle est en haut à droite, voilà. Ok. Putain, une mission de bras, oh, putain. Bon, là, je sprint un grand coup parce que là, ça me. Bon ben voilà. En fait, j'ai.
fait, il fallait tirer sur les trucs en bas, je pense. Attendez, attendez. Ouais, se soigner. Oh my god. Tirer sur les bouches de ventilation. Wow, je suis parti en l'air. Oh là là. Donc là, on peut se soigner ici. Hop. Il faut tirer sur les trucs pour se protéger en fait. On va sprinter un grand coup, un truc de malade quoi. Et on va ouvrir là ici. Comme ça ira plus vite. Vite, 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 dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Putain, j'ai failli crever. Salut baby! Ah, il va la sauver. Oh là là. Oui, on passe à cinématique. On fait la course? Pourquoi elle s'ouvre pas la porte? T'es par ici, hein? Ouais, on va passer aussi. Oh putain, il faut retraverser le pont. Non. Il faut se barrer. Je sais même pas par où il faut passer en fait. Allez, go, 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 avant que ça pète à ma gueule, go. Pourquoi je cours moins vite que les autres, là, oh. C'est pas possible, hein. On a réussi. Ouh, mission finie. Une belle introduction du jeu, franchement, une belle présentation du jeu avec la fin de mission Star Trek. Et ben moi, je vais vous laisser dessus, mes petits amis. On a fait la toute première mission du jeu, donc l'introduction du jeu. J'espère que ça vous a plu. Je vous conseille d'aller voir, de télécharger les films ou de les acheter comme vous voulez, d'acheter le jeu si ça vous a plu. Donc, je vous dis à très très bientôt. Salut!